Alors, toujours dans l'esprit de rendre 1996 aussi nickel qu'elle l'a toujours été, voilà. Ça, c'est une maladie de cette génération, les fixations cassent. Et j'ai pas la pièce d'origine avec moi, mais est-ce que j'ai dû la poser ailleurs? C'est. Alors, est-ce que je peux filmer le truc? Mise au point serait pas mal. Voilà. On voit que les petits tétons sont toujours là. Moi, c'est la pièce. Est-ce que j'ai l'autre côté? Hop. Voilà. Moi, c'est celle-ci qui s'est fissurée à l'intérieur. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à. C'est très compliqué, c'est très simple. Il n'y a plus qu'à, comme d'habitude. On retire, on commande une pièce. Et pour ceux. Moi, j'ai pris un modèle renforcé. Alors, j'ai pas pris une pièce Porsche. C'est une copie très bonne facture, côte à côte. On ne sait pas laquelle est Porsche. Sauf que Porsche, c'est du plastique. Celle que j'ai pris, je vais vous la filmer. Il y a de l'acier dedans. Alors, c'est parti. C'était bien le moment. J'ai du temps. J'ai un peu de temps. Hop, lumière. Aziz, lumière. Aziz, lumière! Aziz, lumière. Ok. Voilà. Oh, il y avait une colle derrière. Ouais. Espèce de scotch collant. Enfin, attention à les péter. Hein, d'accord. Délicatement, il y a des câbles. Ça, rien n'est cassé. Ensuite, on s'est retiré. Comment on fait? Il faut séparer ça en deux, je crois. Sans rien casser. Je sais pas si on va bien voir. J'ai ramené les deux pièces. Ça, c'est la pièce Porsche. Avec les plastiques qui ont pété. Et là, il n'y en a même plus. Ça, c'est l'autre pièce. Qui se ressemble beaucoup. Pareil, la petite protection. Mais là, j'ai des rondelles en acier. Là, il y a un truc en acier derrière. La petite roupelle en acier est un peu casse-couille, en fait, effectivement. J'en ai mis une. Vous allez pour mettre l'autre. Il va falloir batailler. J'y suis arrivé. C'est dedans ou pas? Suis pas extrêmement satisfait. J'essaie de tordre le truc. En fait, j'ai essayé de tordre un peu ce plastique-là pour l'écarter, l'arquer. Et faire rentrer celui-là en l'écartant dans l'autre sens, histoire que les deux s'emboîtent l'un dans l'autre très très bien. Sans avoir, en fait, ça m'évitait de tout démonter, le petit ressort et tout. Mais en fait, même si je remonte le ressort l'un dans l'autre, il fallait que ça rentre. Là, il est rentré, ça fonctionne. Et il y a un petit jour. Ensuite, un petit jour. Que je peux faire jouer comme ça. Ah, c'est ça, le petit jour il est pas grave en fait, il suffit de l'ajuster. J'avais un petit jour et j'étais inquiet et en fait il suffisait que je. Comme la pièce est large, tu peux de droite à gauche la faire coulisser pour l'ajuster au centre exactement. Ça marche bien. J'y suis arrivé. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est ça. Comme papa et maman, sacrée expression, n'est-ce pas? Ça remarche. Et sincèrement, d'origine Porsche. Pas Porsche. Et ça, c'est plus robuste.